Allô? Allô? Oui, madame? Oui, l'agence immobilière Crouzet. Notre annonce de ce matin? 5 pièces, tout confort, avenue Mozart. Oui, madame. 160 mètres carrés, madame. 2 salles de bain, belle réception, une jolie terrasse. Oui, madame. Agence immobilière Crouzet, je vous écoute. Le prix? 45 millions. 2 pièces sur cour dans un immeuble ancien mais bien entretenu. Ah, je regrette. Que recherchez-vous exactement? Ah, mais je peux vous faire visiter, madame. Voulez-vous que nous prenions rendez-vous? C'est d'accord, vous pouvez compter sur moi. Je vais faire une sélection parmi les affaires susceptibles de vous intéresser. Demain matin à 9h. Bon, c'est noté. Au revoir, madame. Ah, vous préférez m'appeler vous-même? Entendu. Vous demanderez madame Le Floch. Si je suis absente, la secrétaire me transmettra votre message et je prendrai contact avec vous. Alors, c'est calme, on dirait. Rien d'intéressant? Oh, quelques visites pour demain, monsieur Crouzet. Tiens, tout le monde est parti? C'est vrai qu'il est déjà 7h30. Eh bien, à demain. Bonsoir. À demain, monsieur Crouzet. Dis-moi, Jacqueline, puisque nous sommes seuls, je voudrais bien savoir où tu en es. Où j'en suis? Rien ne s'arrange, Irène. Tout va mal, de mal en pis. Entre Jérôme et toi? Quand ça va mal, il ne peut évidemment s'agir que de mon mari. Enfin, lui as-tu parlé? As-tu mis les points sur les i? Ma pauvre Irène. Ah, si tu crois que c'est facile de parler à Jérôme. Il faut d'abord qu'il soit dans un de ses bons jours, ce qui est rare. Mais en plus capable d'écouter, ce qui est plus rare encore. Il continue à boire? Plus que jamais. Quand je rentre chez moi, comme je vais le faire tout à l'heure, la première chose que je vois, c'est sur la table, le verre et la bouteille. Devant le verre, mon mari. Le regard éteint ou l'œil mauvais. Tout dépend du niveau de la bouteille et de la façon dont il a supporté sa dose. Oh, ça ne peut plus durer. Tu ne mérites pas ça. Enfin, pourquoi as-tu épousé Jérôme? C'est simple. Je l'aimais. Au début, c'était vrai. Ou je l'ai cru. Quand on s'est trompé à bloc, il arrive un moment où l'on croit avoir eu raison. Mais lui? Je lui plaisais. Physiquement, mais moralement aussi. Parce que je suis forte. Jérôme a toujours été faible. Maintenant, il s'avachit. Pourquoi suis-je devenue négociatrice en appartement? Pour la raison très simple que les vagues affaires dont il s'occupe ne le conduisent à rien et qu'il aurait déjà bu la tasse si je n'étais là pour lui maintenir la tête hors de l'eau. Ah, laisse-le donc couler. Ce serait tellement plus simple. Bien sûr, mais je ne veux pas couler avec lui. Avant, il faut lui faire lâcher prise. Donc, que nous nous séparions. Eh bien alors? Eh bien, dès que je lui parle de divorce, il voit rouge. À moins de faire celui qui ne comprend pas. Je suis bonne à tout, et ça bonne à tout faire. À cette différence près que je n'ai pas le droit de lui flanquer mes 8 jours. Mais tu m'as pourtant dit que ton avoué... Oh, mon avoué, comme tous les avoués. Il attend le moment favorable, comme il dit. Quel moment favorable? Ben, celui où Jérôme se mettra dans son tort. Dans son tort? Mais il les a tous. Il n'en a aucun. Pour divorcer, il faut être 2. Comme il fait le mort, je suis seule, je ne peux pas l'obliger à divorcer, car il est bien trop malin pour me donner une arme dont je pourrais me servir. Ouais, c'est cousu de fil blanc. La justice s'appuie sur des textes. Et le code Napoléon a été fait par et pour les hommes. Ah, je pars battue d'avance. À moins que... Dis-moi, et lui? Enfin, l'autre. Qu'est-ce qu'il pense de tout ça? François? Il piaffe. Sans la résistance passive de Jérôme, il y a longtemps que je ne serai plus Madame Le Floch, mais Madame Clerval. Ah, il devrait quand même y avoir un moyen. Il n'y en a qu'un. Lui faire peur. Jérôme fait des phrases, mais pour le reste, zéro. Il faut dégonfler cette baudruche. Mais alors fais-le. Je m'en sens incapable. Seul François pourrait. Nous en avons déjà parlé. Qu'est-ce qu'il en pense? Puisqu'il n'y a rien d'autre à faire, il est pour à 100%. Ah, ce ne serait pas une mauvaise solution. S'il allait le voir. Maintenant qu'il est décidé, il va lui tomber dessus à l'improviste. Oh, c'est justement ce qui m'inquiète. Pas pour Jérôme, mais pour François. Mais tu m'as toujours dit que Jérôme était un lâche. Justement. On ne sait jamais ce dont un lâche est capable. Un coup en traître est si vite parti. Ah, tu ne connais pas Jérôme? Non, mais je connais François, puisque tu nous as présenté. Je ne crois pas qu'il soit homme à se laisser faire. À propos, ce soir, je dîne avec François chez Germaine. Germaine, la belle-sœur de François? Exact. Aucun problème de ce côté-là. Hein. Aucun problème, heureusement. Germaine est très compréhensive et très chic avec moi. On s'entend si bien toutes les deux que je me sens adoptée. Allons, et bien tant mieux. Des sentiments tout simples. Oh, si bien reposant. Elle a eu de la chance, moi aussi. Tant mieux. Enfin, tu souris. Bravo. Je serais beaucoup plus décontractée s'il ne fallait que je passe maintenant chez moi. Il faut que je parle à Jérôme. Seulement voilà. Sera-t-il en état de m'écouter ?
Je suis là. Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir, Jérôme. Tu sors, évidemment. Tu bois, évidemment. Et chacun tue le temps comme il peut. Tu as tes affaires et j'ai mes ennuis. De nouveaux ennuis ou toujours les mêmes? Oh, la suite des mêmes, si tu veux. Un nouveau juge d'instruction veut fourrer le nez dans mes affaires. Tu finiras en prison. Tu constates ou tu fais un vœu? Je suis pressée. Et tu es hargneuse. Ça te gêne? Va-t'en. Où? N'importe où, ailleurs. Et qu'est-ce que j'y ferai dans ton ailleurs? Rien. Exactement ce que tu fais ici. Ça ne te changerait pas. Oh, ma toute belle, tu me déçois. Sans aller jusqu'à dire que je suis un mari complaisant, reconnais que je suis un mari facile. Tu sors, je ne te demande même pas qui t'a invité. Remarque, je ne te le demande pas parce que je le sais. Ton François se languit de toi, tu vas retrouver ton François. Quoi de plus naturel, hein? Donne-moi cette bouteille, Jérôme. D'abord, elle est presque vide, ensuite il y en aura d'autres. Enfin, qu'il en soit fait cependant selon ta volonté. Jérôme. Présent. Es-tu en état de m'écouter? On ne peut plus en état. Fin prêt. Vas-y, ma toute belle, à défaut de mieux, je vais boire tes paroles. Ne fais pas le clown, Jérôme. Je t'ai dit, je te répète que je veux divorcer. Tu veux divorcer? Mais comment donc? Comme si on faisait toujours ce qu'on veut dans cette chienne d'existence. Mais qu'est-ce que tu vas lui donner à bouffer à ton âne d'avoué? Hein? L'avoine du mien est meilleure. Primo, adultère. Bon, je n'entretiens pas que je sache de concubine au domicile conjugal. Et si tu te conduis en gourgandine folle d'un corps d'ailleurs parfait, c'est ton affaire et non la mienne. Écoute, jamais, Jacqueline, non, tu m'entends bien, jamais tu n'obtiendras le divorce sous le fallacieux prétexte qu'il te plaît de me faire cocu. Jérôme! Ne coupe pas le fil de mes pensées, veux-tu? Comme on le dit en termes juridiques, pour ce qui est de l'adultère, tintin. Secondo, je n'ai jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante. Les quelques non-lieux que la justice m'a décernés l'ont été en hommage à mon intelligence. Il faut croire que ces fois-là, le ministre manquait de décoration. Si c'est une question de gros sous, oh, je suis absolument... Tu me navres. Positivement, tu me navres. L'argent ne m'intéresse pas. Mais tu t'intéresses à celui des autres puisque tu vis à mes crochets. Bon, admettons, si tu y tiens, que je me débrouille pas trop mal et que je sache nager. Comme tous les maquereaux. Oh, le vilain mot. Que tu es parfois décevante. Écoute, Jérôme... D'une façon ou d'une autre, il faut s'en sortir. Si je te quitte définitivement, je te prends... Tu réintégreras le domicile conjugal entre deux gendarmes. Il faut bien que la marée-chaussée se rende utile de temps à autre. Mais tu ne peux pas me garder prisonnière malgré moi. Mais tu es libre, mon amour. Libre de tout, absolument de tout. Sauf de me quitter. Je pars, Jérôme. On ne discute pas avec un fou. Ton François t'attend? On ne peut rien y cacher. Il m'attend chez sa belle-sœur. Mais tu n'as pas besoin de te changer. Il te prendra comme tu es. C'est bien assez bon pour lui. Tu deviendrais jaloux par hasard? Ce serait trop drôle. Non, je ne suis pas jaloux. Je ne suis pas jaloux. Je sais seulement que je n'aime pas trop ce genre de... sous-location. Je n'aime pas non plus qu'on me laisse tout seul, comme un rebut. C'était pas ma vocation, si tu veux tout savoir. Ta vocation, la voilà. Le gros rouge. Amuse-toi bien. Whisky, François. Merci, Germaine. Puisque Jacqueline va arriver d'une minute à l'autre, attendons-la. Vous avez raison. Ah, j'ai oublié de vous dire que j'ai reçu ce matin une lettre de Roger. Qu'est-ce qu'il devient, votre fils? Voilà des semaines qu'il me laisse sans nouvelles. Sans nouvelles? Oui. Oh, ce n'est pas bien, ça, pas bien du tout. Comptez sur moi, je lui dirai. Vous savez comme il est, toujours dans les nuages, tête folle. Justement, il faudrait que ça change, dans son propre intérêt. Que ça change? Eh oui. J'ai toujours fait ce que j'ai pu pour lui, vous le savez. Non, je le sais, François. Je ne demande qu'à continuer. Mais seulement s'il y met du sien. Il était un peu patraque ces temps-ci. L'abus des bains de soleil, oh. Je suppose. Non, parlons sérieusement.
Je pense à son avenir, dont il semble assez peu se soucier. Le neveu à son oncle, c'est pas une situation, ça je l'admets. Je vais bien le prendre avec moi dans mes affaires, mais à la condition expresse qu'il consente à travailler, au lieu de se retirer sur la côte en dilettante. Mais ce petit a une véritable passion pour vous, François. Vous êtes son dieu. Je suis peut-être son dieu. Mais le petit, comme vous dites, à 25 ans, il commence à monter en grêle, alors, le petit. Ne soyez pas trop sévère. Non, c'est pour son bien. Et pour le vôtre, Germaine. S'il ne fait pas son trou maintenant, après, ce sera trop tard. Vous avez raison, comme toujours. Je vais lui passer un bon savon et lui dire de prendre immédiatement contact avec vous. Ah, c'est Jacqueline. Ne vous dérangez pas, je vais ouvrir. Pas trop fatigué? Ça va. Nous vous avons attendu pour prendre un whisky, ma petite Jacqueline. Je vous sers. Oui, Germaine. Merci. Encore un peu d'eau. Là, c'est parfait. Alors, contente des affaires? Je ne me plains pas. Moi, je trouve votre métier passionnant. Négociatrice. Alors, évidemment, il faut avoir le don. Jacqueline fait bien tout ce qu'elle fait, là, le sens du contact. Elle est intelligente. Consciencieuse. Elle a vous deux. Je sens que je devrais rougir, mais je n'y arrive pas. Manque d'entraînement ou manque d'esprit d'à propos. Alors, ce mariage? Ah, s'il ne tenait qu'à nous. Il y a longtemps que je serai votre belle-sœur, Germaine. Mais toutes les difficultés ne sont pas encore aplanies? La principale subsiste. Son mari. Celui-là, il est du genre coriace. Un jour ou l'autre, il faudra que je me décide à le descendre. Oh, vous avez tort d'employer des mots pareils, François, même en riant. C'est que je ne ris pas du tout, Germaine. Je n'en ai pas la moindre envie. La plus forte raison. Admettez qu'il arrive un accident à Jérôme. C'est la grâce que je lui souhaite, sans fleurs ni couronne. Je prends vos menaces pour ce qu'elles valent, heureusement. Avec moi, ça n'a pas d'importance. Mais pensez aux autres qui pourraient avoir entendu et, le cas échéant, se souviendra. Ah, nous n'en sommes pas là, Germaine. Jérôme, à part son foi, se porte comme un charme. Quant à François, la manière forte n'est pas son genre. Il existe d'autres moyens plus subtils d'évincer mon mari. Vous voilà rassurée, j'espère. Non, tout à l'heure, je forçais la note. Mais vous ne comprenez pas toujours très bien la plaisanterie. C'est possible. C'est même certain, puisque vous le dites. Sans doute vieillissez-vous mieux que moi, ou moins vite, ce qui revient au même. Depuis que j'ai perdu mon mari et que votre femme est morte, la seule famille qui me reste, c'est vous, François. Nous vous devons tellement, mon fils et moi. Laissons, Germaine. Ce que j'ai pu faire ne mérite pas qu'on s'en souvienne. Nous vous devons tellement que tout ce qui peut menacer votre bonheur m'inquiète et m'affole. Oh, vous êtes gentille. Je sais surtout de voir clair. Et voyant clair, je fais, s'il le faut, la part du feu. Reconnaissez comme moi que ce Jérôme n'est pas bien gênant. Pas bien gênant? Oh, elle est sévère, celle-là. Surtout venant de vous, qui êtes, passez-moi l'expression, plutôt à cheval sur les principes. Pour les principes, il faut en prendre et en laisser. Ce qui était impensable au temps de notre jeunesse l'est beaucoup moins aujourd'hui. Ainsi, par exemple, Jacqueline est votre maîtresse, et je l'admets. Ah, c'est encore heureux. Vous dites que je suis à cheval sur les principes, mais c'est vous qui montez tout de suite sur vos grands chevaux. Jacqueline, et je l'en félicite, a dit la vérité à son mari pour qu'il en tire des conclusions qui nous semblaient évidentes. Or, ce Jérôme, contre toute attente, se désintéresse de la question. S'il s'en désintéresse, pourquoi n'en ferions-nous pas autant? C'est évidemment un point de vue. Mais un point de vue parfaitement défendable. Ce qui compte, c'est l'essentiel. Et l'essentiel, c'est votre amour. Quant au reste... Il va falloir quand même régulariser. Donc, ce serait évidemment préférable, quoique... C'est préférable, à tous les points de vue. On n'exagérons pas. François. Oui, ma chérie. Je crois qu'il vaudrait mieux... Oui, c'est également mon avis. Vous comprenez, Germaine, eh bien voilà, nous sommes en décembre... Et bien sûr, nous sommes en décembre, et alors? Et alors? C'est pour juillet, l'événement. Pour... Oh. Eh bien, si je m'attendais, je tombe des nues. Contente? Quelle question! Ravie! Ce qui ne m'empêche pas de tomber des nues. Il va falloir que j'annonce la nouvelle à mon fils. Comment vais-je m'y prendre? C'est facile. Écrivez-lui. Oh, facile, facile. Vous connaissez Roger, François, c'est un émotif, un sensitif. Il vous considérait comme son père depuis la mort du sien. Mais pourquoi compliquer les choses? Rien ne sera changé. La famille s'agrandit, c'est tout. Je suis maladroite. C'est l'émotion. Je vous comprends, Germaine.
Je crois même que je vous comprends très bien. Sans être d'une santé délicate, Roger a besoin de ménagement. C'est d'ailleurs pourquoi il vit sur la côte. L'air de Paris ne lui valait rien. Et il aime le soleil. Votre fils, c'est son droit. Comme c'est mon droit de revenir à la légalité. Même si Jérôme ne le veut pas. Je vous ai dit mon point de vue, mais s'il faut m'incliner, je m'incline. Espérons que Jérôme en fera autant. Mais il ne pourra pas faire autrement, Germaine. Enfin, on verra. Attendons. Si nous passions à table. Bonne idée. Il faut que je prenne des forces avant d'affronter ton mari, Jacqueline. Demain, au début d'après-midi, je me pointe chez ton Jérôme. Fais-moi confiance, ça va barder. Impossible d'être tranquille dans cette maison. Monsieur Jérôme Lefloche. C'est moi. À qui ai-je l'honneur? Clerval. François Clerval. Puis-je vous demander quelques minutes d'entretien? Mais commandons. Entrez, cher monsieur, entrez. Vous êtes le bienvenu. Asseyez-vous. Prenez un siège, les cigarettes sont à côté de vous. Ah. Monsieur, je suis... Croyez-vous à l'instinct? Moi, j'y crois. Vous venez de vous asseoir instinctivement à la place que préfère Jacqueline. Car c'est bien d'elle que vous désirez m'entretenir, n'est-ce pas? Exactement. Je sais, croyez-le bien, tout ce que cette entrevue peut avoir de désagréable. À quel point elle peut être pénible, gênante. Ah, pour vous, peut-être, pas pour moi. Deux hommes aiment la même femme. Voilà le type de situation dont les romanciers abusent, mais la vie n'est-elle pas un roman? Il n'y a rien là qui puisse diminuer notre estime réciproque, même si une certaine morale, dite bourgeoise, n'y trouve pas son compte. Nous sommes décidés, Jacqueline et moi... D'ailleurs, à propos de morale, je vous dois une confession. Je suis, si j'ose dire, assez vieux jeu en la matière. Je dis bien vieux jeu et non vieille France, car je ne saurais approuver les licences qui ont marqué certaines époques. Enfin, ne croyez pas cependant que ma rigueur soit à ce point austère qu'elle m'empêche de comprendre certains égarements, voire de les excuser. Mais pardonnez-moi si je vous ennuie. Oh, vous ne m'ennuyez pas. Non, je voudrais seulement savoir où vous désirez en venir. Ah, ceci, monsieur. La personne dont nous parlons a eu... sans en médire, un nombre plutôt considérable d'aventures. Et loin de moi la pensée de vous distribuer un numéro, comme dans tout vestiaire bien tenu. Ah non, ça je vous en prie. Hein. Je vous choquerais-je par hasard? Ou ne seriez-vous pas au courant de liaisons dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles m'ont convaincu tout autant de leur nombre que de leur brièveté? Je vous défends de parler avec une telle légèreté. Mais la légèreté du ton sied aux femmes légères. Une passade après tant d'autres ne mérite pas qu'on dramatise. Sans dramatiser, on se doit de parler gravement d'une chose grave. Je suis au courant. Jacqueline m'en a soufflé deux mots. Elle voudrait divorcer. Voilà. Et qui pouvons-nous? Eh bien, c'est son droit le plus strict. Ah, très heureux de vous l'entendre dire. Un arrangement amiable vaut mieux qu'une procédure. Nous nous entendons mal, cher monsieur. Il ne saurait être question de l'un ou de l'autre. Jacqueline... et je crois la connaître mieux que vous, mais toujours revenue, et me reviendra toujours. Je me dois de la défendre contre ses égarements et de la soustraire au mauvais berger. Oui, en clair, c'est d'ailleurs ce qu'elle m'a dit. Elle exige d'être libre, mais vous vous y refusez. Ah, je suis contre le divorce d'une façon générale. Mais plus encore s'il s'agit de mon cas particulier. Car vous êtes seule en cause. Jacqueline ne compte pas. Elle et moi ne faisons qu'un, pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur est passé. Le pire, vous y êtes. Voyez-vous ça? Vous y êtes. Puisque vous me forcez à entrer dans le vif du sujet, parlons de votre avenir personnel, à défaut de celui de Jacqueline, que je vois assez bien. Mon avenir, il tient en trois mots. Attendre, croire, espérer. Attendre, c'est facile à dire. Mais où attendre? Ici, tout simplement. Enfin, réfléchissez, ce n'est pas possible. Ah, curieux, mais intéressant. Et pourquoi ne serait-ce pas possible? Mais l'appartement que vous occupez a été loué au nom de Jacqueline. Elle va en donner congé, liquider les meubles, qui, vous le savez aussi, lui appartiennent. Vous avez une imagination délirante, cher monsieur.
Et où donc m'envoyez-vous cacher ma peine et cuver mon chagrin? Et à l'hôtel, pourquoi pas? Autrement dit, vous m'envoyez au coin comme un enfant passage. Là ou ailleurs, vous vous débrouillerez à votre convenance, ou selon vos moyens, que je présume limités. Vous me direz qu'avec du courage, on s'en sort toujours. C'est mon avis. Voilà si longtemps que vous économisez le vôtre, que vous devriez en avoir à revendre. Enfin, monsieur, il faudrait s'entendre. Mais je suis ici pour ça. J'aurais pu ne pas vous recevoir, mais je vous reçois. J'aurais pu me boucher les oreilles ou penser à autre chose, mais je vous écoute. Je pourrais relever vos propos en ce qu'ils ont de malsonnant, mais je ne le fais pas. Je pourrais vous flanquer à la porte, mais puisque vous êtes mon hôte, je suis tenu aux marques extérieures de la plus stricte urbanité. Aussi me contenterai-je de vous dire que j'ai apprécié votre baroud d'honneur et qu'à part le coût de l'appartement, qui manquait d'élégance, nous nous sommes si bien compris qu'il vaut mieux nous séparer avant d'en venir comme des hommes de peu aux propos blessants. C'est fini, le blablabla? Non, vous vous égarez. La sortie, c'est par là. Je vous préviens d'une chose. Ça ne m'étonne pas de vous. Vous êtes la prévenance personnifiée. D'ailleurs, je le dirai à Jacqueline, ça lui fera plaisir. J'ai jamais aimé le cirque. Les clowns m'embêtent et les voyous me dégoûtent. Comme vous avez raison. Et j'en ai autant à votre service. Vos scrupules? Eh, c'est vrai, j'en ai. Je suis inconscient. Vos scrupules, je vous les achète. Avec votre conscience par-dessus le marché. Quant à votre morale... Ah, la morale n'a pas de... C'est bien pourquoi je vous en offre un prix inespéré. Tout vieux jeu ou vieille France que vous soyez, vous conviendrez avec moi que payer, disons, 5 millions pour ce qui vaut zéro représente la meilleure affaire que vous ayez jamais traitée dans toute votre existence de carambouilleurs et d'escrocs. Vous devenez pénible. Je vous donne 5 millions cash, plus l'appartement, plus les meubles. C'est à prendre ou à laisser. Vous êtes rapide en affaires. À prendre ou à laisser, voyez-vous ça. Votre offre est généreuse. Pas si généreuse qu'elle ne saurait être gratuite. Et que devrais-je vous remettre en échange de vos bienfaits? Vous aurez le chèque contre l'engagement signé par vous d'accepter le divorce et de faire en sorte que nous n'entendions plus parler de vous. Une seule réponse, oui ou non. Oui ou non. Dépêchez-vous, ma patience a des limites. Hélas, cher monsieur, la mienne aussi. Nous ne parlons pas la même langue. Vous savez ce que vous voulez, mais je sais aussi ce que je veux. Moi, je veux Jacqueline. Et j'ajouterai tout comme vous, que c'est mon dernier mot. Parfait. La situation s'éclaircit. Et c'est tant mieux. Je ne pensais pas que vous me forceriez à faire usage de moyens qui me répugnent. Mais s'il vous répugne, cher monsieur, écoutez votre conscience et taisez-vous. Ma conscience me dicte justement ce que je devrais faire. Vous écraser. Mais c'est la moindre des choses. Mais avant le carnage, dois-je prendre une assurance vie ou appeler police secours? N'appelez pas la police, c'est inutile. Vous voyez bien. La police, c'est elle qui viendra vous cueillir. De plus en plus fort. Du travail sans filet. Moi, tenir à son épouse légitime est donc un délit? Vous en avez d'autres à votre actif. Grâce à certaines indiscrétions, j'ai pu constituer contre vous un dossier suffisant pour vous envoyer en correctionnel. Escroquerie. Abus de confiance, traite de cavalerie, chèque sans provision. Vous n'y couperez pas de quelques années de tôle. Vous êtes épuisant à toujours bluffer. Non, changez de disque. Le voilà, le disque. Affaire Normand. L'Omnium Central. Affaire Le Sage. Société de distribution. Ça vous suffit? Les plaintes seront déposées sous 48 heures. Tous ces gens vous en veulent à mort, au nom justement des immortels principes qui sont les vôtres. Mais imbécile, triple idiot. Vous serez bien avancé après. Et comment? Jacqueline tiendra son motif de divorce. Nous n'en demandons pas plus. Vous permettez? Alors? Alors voilà qui demande réflexion. Il faut que j'étudie tout cela à tête reposée. L'autre... Quoi l'autre? L'autre offre tient toujours? Pour le moment, oui. À condition de faire vite. Combien de temps? Je vous donne 48 heures. Pour la remise du chèque? Pour la signature des papiers. Le chèque suivra. Ben, qu'est-ce qui me prouve? C'est à prendre ou à laisser. 48 heures, compris? Maintenant, nous n'avons plus rien à nous dire. Je m'en vais.
Ne me reconduisez pas, surtout, je connais le chemin. Bonsoir. Eh ben... Et Jacqueline est une belle garce. Et son Jules un rude salaud. Mais le chèque suivra, qui dit. Qu'est-ce qui me prouve qu'il suivra, le chèque? Ouais. Il veut m'avoir, c'est tout, comme le dernier des abrutis. Non, sans blague. Ça, on ne me vire pas comme ça, mon loin. Ça serait trop facile. Là, il va y avoir du sport. Et la suite, les menaces, je m'en fous. Ça, c'est du vent, c'est du bidon. Non, c'est Jacqueline que je veux. Je la garde. Et je la garderai par tous les moyens. Par tous les moyens. Madame, l'agence immobilière Crouzet. L'appartement de la rue Rémusa. Voyons, de quand date l'annonce? Ah oui. Je regrette, madame, il est vendu. Mais que cherchez-vous exactement? Vous rappellerez plus tard. Eh bien, comme vous voudrez, madame. Au revoir, madame. Ah, bonjour, Jacqueline. Bonjour. Je ne t'ai pas vue ce matin. C'est vrai que tu avais des clients. Toujours rien pour mon avis, Mozart. Si, justement. Ah. J'ai pris un rendez-vous pour toi. Tu le fais visiter à 5 heures. Quand même. Oh, sincèrement, ce qui fait son charme à cet appartement, c'est la vue. À 5 heures, il fera nuit. C'est fichu d'avance. À moins que je puisse faire reporter demain matin. Ah, impossible. La cliente que j'ai eue au bout du fil est de passage à Paris entre deux trains. Oh. Elle m'a téléphoné en débarquant. Ce soir, elle sera repartie. Oui, pas dans ces conditions, évidemment. J'attends la cliente devant l'immeuble? Non, directement à l'appartement. Tu as le nom de la cliente et son numéro de téléphone? Bien sûr, tout est noté sur ton cahier. Elle est descendue dans un hôtel près de la gare de Lyon. Un hôtel? Mmh. Oh, je l'appelle pour confirmation, c'est plus prudent. J'ai pas envie de manger du lapin, figure-toi. Allô? Allô? Pourrais-je parler à Madame Neuville, s'il vous plaît? Elle est sortie. Savez-vous quand je peux la toucher? Tard dans la soirée, sans garantie, car elle ne repassera peut-être pas à l'hôtel avant de reprendre son train. Ah ah. Un message? Non, c'est inutile, j'ai rendez-vous avec elle cet après-midi. Merci, monsieur. Ah, ben ça correspond avec ce qu'elle m'a dit au téléphone. Elle a laissé sa valise à la consigne et n'est descendue à l'hôtel que pour prendre un bain. Et se reposer une heure ou deux avant de faire des courses. Tu vas voir, tu vas le vendre, ton 5 pièces, ça chauffe. Dis donc, et tes affaires personnelles, où en es-tu? Jérôme, d'après François, serait neutralisé. Je l'espère sans en être sûre. Le connaissant bien, je suis certaine qu'il est en ce moment fou furieux, qu'il nous en veut à mort, qu'il se vengerait s'il en avait les moyens. Mais il n'en a pas, et il le sait. Bon, tu as raison. Mon imagination me joue des tours. En somme, je devrais être... parfaitement tranquille et détendue. Évidemment, puisque tu touches au but. Heureuse. Je suis ravie. François est ravi. Germaine est ravie. C'est le bonheur parfait. À propos de Germaine, nous avions l'intention, François et moi, de l'inviter ce soir au restaurant. Il faut que je trouve le temps de faire un saut chez elle. Mais téléphone-lui donc, c'est tellement plus simple. J'ai essayé, elle n'était pas rentrée. Bon, aucune importance. Si je n'arrive pas à la joindre, je laisserai un mot dans sa boîte, ce sera suffisant. Germaine n'étant pas fille à rentrer chez elle à des heures indues. Elle est adorable, tu sais. Mais entre nous, elle fait un peu vieille fille. François prétend qu'il l'a toujours connue comme ça et qu'elle ne vieillira pas puisqu'elle n'a jamais été jeune. Ah, si seulement elle s'arrangeait un peu. Aucune coquetterie. C'est dommage car tu sais, elle est pas mal, hein. Pas mal du tout. Non, enfin, le principal pour toi, c'est qu'elle soit adorable. Je dis qu'elle est adorable parce qu'elle m'aime bien, que dès le premier jour, elle m'a adoptée. Au fond de ma part, c'est de l'égoïsme. Je l'aime pour moi plus que pour elle. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu fais un complexe de culpabilité et que tu as bien tort de couper les cheveux en quatre. Dis donc, pour ton rendez-vous de 5 heures, pense à prendre les clés, hein. C'est fait, elles sont dans mon sac.
Je file, Irène. À partir de maintenant, c'est la course contre la montre. Germaine d'abord, l'avenue Mozart à 5h, enfin une demi-heure plus tard, mon second rendez-vous, rue de Livette. Heureusement que l'avenue Mozart et la rue de Livette sont à deux pas. Ah, j'oubliais de te dire pour l'avenue Mozart. Odile le fait visiter à un autre client 1 heure après toi. Ah bon? Autrement dit à 6h. Alors qu'est-ce qu'on fait pour les clés? Oh ben, ma visite faite, je les laisserai chez la concierge. Odile n'aura qu'à les prendre chez elle. Hein. Bon d'accord, je lui dirai. Oh, sapristi, il est plus de 4h. Je me sauve. À demain, toi. Allô, j'écoute. Oui, madame, je suis au courant. Avec madame Lefloche. Vous avez rendez-vous rue de Livette à 5h30. Ah, c'est étonnant. Mais elle ne va sûrement plus tarder. Je vais essayer de la joindre et je vous rappelle. Vous me téléphonez de chez la concierge. Entendu, oui. Comptez sur moi, c'est une affaire de quelques minutes. Qu'est-ce qui se passe, Irène? Oh, rien de grave, monsieur. Jacqueline Lefloche avait deux rendez-vous, l'un avenue Mozart à 5h, l'autre à 5h30 rue de Livette. Oui. Et la cliente de la première visite est accrochée par l'appartement, ou alors, comme beaucoup, elle raconte sa vie. En tout cas, l'autre cliente fait le pied de grue chez la concierge de la rue de Livette depuis un bon quart d'heure. Elle n'est pas bonne. Hein. Ah, bah alors appelez l'avenue Mozart. Il y a le téléphone dans l'appartement. Mais c'est ce que j'allais faire, et ensuite je rappelle la rue de Livette, hein. Ça sonne. Ça sonne, mais personne ne répond. Attendez un peu avant de raccrocher. Il n'y a pas d'erreur, elle est partie. Oui, d'accord, mais depuis combien de temps? L'immeuble a le téléphone. Ah, attendez, oui. Eh bien, alors appelez la concierge, vous serez fixés. Hôtel 2087? Madame la concierge? Ici l'agence immobilière Crouzet. Bonjour, madame. Une de nos négociatrices a fait visiter l'appartement à 5h. Oh, oui, c'est ça. Savez-vous s'il y a longtemps qu'elle est repartie? Elle devait vous laisser les clés pour une autre négociatrice qui fait visiter à 6h. Oh, oui, je comprends. Eh bien, tant pis. Excusez-nous de vous avoir dérangé. La concierge était dans sa cuisine. La cuisine donne sur la courette intérieure. Elle n'a rien vu. Alors, rappelez la rue de Livette. Si ça se trouve, elle y est. Allô, ici l'agence immobilière Crouzet, madame la concierge. Savez-vous si... Oui, bien entendu, je ne quitte pas. Elle me passe la cliente. D'accord. Oui, madame? Madame Lefloche n'est toujours pas là? Ah, c'est ennuyeux, bien sûr, très contrariant. Mais justement, non, je n'ai pas pu la joindre. Elle était déjà partie. Ouais, elle doit avoir de la peine à se garer, vous savez, le stationnement à l'époque actuelle, hein. Merci, madame, vous êtes très aimable. Entendu. Bon, pas trop furibonde. Bon, oh, pas trop, la bonne moyenne. Tout va s'arranger, c'est peut-être même arrangé à l'heure qu'il est. Oh, déjà 6h. J'ai encore quelques coups de fil à donner. Eh ben, ça sera pour tout à l'heure. Allô, oui? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? Odile? Comment? Comment? Oh, ben ça, par exemple. Ah, je pense comme vous.
Ne quittez pas, Odile. Je tiens Monsieur Crouzet au courant. Encore un pépin? Odile devait faire visiter l'avenue Mozart à 6h, autrement dit maintenant. Jacqueline devait laisser les clés chez la concierge, or elles n'y sont pas. Bon, elle était en retard, elle s'est énervée, les clés sont dans son sac. Mais non, monsieur. Mais qu'est-ce que vous en savez? La voiture de Jacqueline est toujours garée devant l'immeuble. Hein? Mais oui, c'est ce que vient de me dire Odile. Je l'ai toujours au bout du fil. Bon, dites-lui qu'elle m'attende, je serai sur place dans un quart d'heure. A-t-elle au moins sonné à l'appartement? Oui, monsieur, mais c'était comme pour nous, il y a 20 minutes au téléphone, personne ne répondait. Vous êtes encore là, tant mieux. Non, j'étais inquiète pour Jacqueline, monsieur, alors j'ai préféré vous attendre à l'agence. Rien de grave. Vous avez retrouvé Jacqueline? Oui. Où était-elle? Avenue Mozart, dans l'appartement qu'elle devait faire visiter. Morte. Oh, c'est pas possible. Et une balle dans la tête. Jacqueline? Le commissaire est sur place, il a procédé aux premières constatations avant l'arrivée des services de l'identité judiciaire. Nous allons le voir arriver à l'agence d'une minute à l'autre. Enfin, pourquoi ce crime? Mais pourquoi? Son sac était à côté d'elle, mais rien ne semble avoir disparu. Alors c'est incompréhensible. Nous sommes tous d'accord, mais ça ne nous mène nulle part. Il y a un assassin, c'est la seule chose certaine. Mais le meurtre est inexplicable, à moins qu'il ne soit l'œuvre d'un fou. Il y a des pyromanes, des éthyliques, des sadiques un peu partout, mais ils ne s'attaquaient pas jusqu'ici à l'immobilier. Faudrait qu'on mette la main sur ce type et que ça ne traîne pas. Le crime d'un fou. C'est l'avis du commissaire? À première vue, oui, en attendant les résultats de l'enquête. C'est pour l'enquête que le commissaire va venir à l'agence? Mais pourquoi d'autre voudriez-vous que ce soit? Il veut vous interroger. Mais je ne sais rien, moi, absolument rien. Non, ce n'est rien. Calmez-vous, tenez. Attention, voilà qui arrive. Entrez, je vous en prie, monsieur le commissaire, nous vous attendions. Mademoiselle. Irène Vernac, commissaire. Très bien, très bien. Vous êtes négociatrice à l'agence? Oui, commissaire. Bien. D'après ce que m'a dit votre directeur, Madame Le Floch était votre amie. Nous sympathisions, oui. Eh bien, quand deux femmes sympathisent, elles se font des confidences. Hein? Que savez-vous de Madame Le Floch? Ses affaires s'arrangeaient. Ah, quelles affaires? Elle allait divorcer. Oui, c'est un point de vue qui en vaut un autre. Donc, son ménage... Allait mal. Mais son mari refusait de lui rendre sa liberté. Elle était quand même sur le point de l'obtenir et de refaire sa vie. Quand on refait sa vie, c'est généralement avec quelqu'un. Donc, avec qui? Hein? Avec qui, le savez-vous? Elle était fiancée avec Monsieur Clerval. François Clerval. François Clerval. Vous avez son adresse? Voilà. Merci. Eh bien, je verrai donc le mari d'abord, le fiancé ensuite. Madame Le Floch ne semblait pas avoir ces temps-ci de soucis particuliers, non? À part son mari, non. Vous venez de me dire que ses affaires s'arrangeaient. Elle avait peur de Jérôme. Jérôme, c'est le mari. Oui, commissaire, il a cédé parce que François Clerval lui a mis le couteau sur la gorge et qu'il ne pouvait pas faire autrement. Mais Jacqueline craignait ses réactions, elle me l'a dit. Intéressant, mais... Je crois savoir ce que vous pensez, commissaire. Pour abattre sa femme, avenue Moser, il aurait fallu qu'il soit au courant de ses rendez-vous. Or, il ne les connaissait pas. Certainement non. Oui, remarquez, il a pu la suivre ou la faire suivre. Et en voiture avec les embouteillages. C'est impossible. Oui. Il a pu téléphoner ou faire téléphoner à la parution d'une annonce. Au fait, combien avez-vous de lignes à l'agence? 12, monsieur le commissaire. Une par négociatrice. Ah, dans ces conditions, autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Ah, pardon, chaque négociatrice a sa ligne personnelle dont le numéro figure sur ses publicités. Ah ben oui. Et cet appartement de l'avenue Mozart, Madame Le Floch l'avait depuis longtemps? Presque un mois, à raison de 2 annonces par semaine. Et Madame Le Floch avait un rendez-vous pour le faire visiter, hein? Quand a-t-elle pris ce rendez-vous? Aujourd'hui même. Ah. Mais comme elle était absente, c'est moi qui ai décroché sur sa ligne et pris la communication. La voix ne vous a rien rappelé? Rien si vous pensez à Jérôme Le Floch. C'était une voix de femme comme tant d'autres. La cliente téléphonait d'un hôtel. Oui, pour son compte. À moins que... Enfin, nous examinerons ça de plus près. Comme toujours, dans ce cas-là, nous avons fait l'identité de notre correspondante. L'identité? Oui, nous rappelons le numéro qu'on nous a donné pour éviter les lapins dans la mesure du possible. Ah bah oui. La cliente, une certaine Madame Neuville, était sortie. Mais elle était bien descendue dans cet hôtel. Madame Neuville, oui. Et elle est venue au rendez-vous de l'avenue Mozart? Ah, vous m'en demandez trop, commissaire. Franchement, je n'en sais rien. Il y a des clients qui se ravisent au dernier moment sans se donner la peine de prévenir. Oui. Bon. Autre chose, quel était l'emploi du temps de Madame Le Floch en cette fin d'après-midi? Eh bien, elle devait essayer de joindre la sœur de son fiancé
Ensuite, elle avait ce rendez-vous avenue Mozart, et puis un autre rue de Livette. Rue de Livette, oui, bien. Vous êtes absentée du bureau, mademoiselle. Et quand, commissaire? Cet après-midi, par exemple, entre 5 et 7. J'ai fait quelques courses, comme toujours. Oui. Je rentre aussi tard chez moi que tous les commerçants sont fermés. Mais pourquoi cette question? Bon, j'ai posé la même tout à l'heure à votre directeur. Mais dans notre métier, il faut une quantité de petits riens pour faire finalement un tout à peu près acceptable. Eh bien, je vous remercie. Le mari, le fiancé, la famille, l'hôtel, la cliente. J'ai du pain sur la planche. De quoi remplir ma journée de demain. Eh bien, à bientôt. Je vous tiendrai au courant, monsieur le commissaire. Ah, je ne l'aime pas, ce commissaire. Il a une façon particulièrement déplaisante de vous regarder en posant des questions stupides. Bon, rentrez chez vous, Irène. Reposez-vous, vous en avez besoin. Demain, ça ira mieux, hein? Monsieur Jérôme Lefloche? Bah oui, quoi, c'est moi. Qu'est-ce que vous voulez? Commissaire Lavergne. Oh, salaud! Ah, ben voilà un accueil qui mérite une justification. Hein? Entrons chez vous, d'accord? Oh, d'accord ou pas, avec vous autres, c'est toujours la même musique. Nous disons donc que vous avez une dent contre la police. Non, le salaud, c'était pas pour vous. Ah bon? Mais pour qui alors? Pour l'autre, le Jules de ma femme. C'est lui qui vous envoie, pas vrai? Je ne vois vraiment pas de qui vous voulez parler. Non, vraiment pas. Ah, je croyais. Oui, enfin, voilà un premier point théoriquement éclairci. Enfin, du moins pour le moment. Passons au second. Alors, c'est une revue de détails. De détails, si vous voulez. Où étiez-vous hier soir de 5 à 7? De 5 à 7. Ma foi, j'en sais fichtre rien. Répondez, où étiez-vous? J'étais... Pour rien vous cacher, dans les vignes du Seigneur. Ah. Et je m'y trouvais magnifiquement bien. Ici, dans cette pièce, devant cette bouteille? Ici ou ailleurs, hein. Quelle importance. Oui, enfin... Quand avez-vous rencontré votre femme pour la dernière fois? Je ne l'ai pas vue depuis que son Jules est venu me menacer à domicile il y a 2-3 jours. Quelque chose comme ça. Ouais, son Jules, c'est François Clerval, c'est ça? Si vous voulez... Une fameuse petite ordure. Mais quand vous êtes arrivé chez moi, j'ai cru que c'était Sagouin qui vous envoyait. Enfin, puisque c'est pas le cas, on tire un trait. C'est ça. Alors, pouvez-vous me dire ce qui me vaut l'honneur de votre visite? Madame Lefloche. Ah, la garce. Ah, celle-là, depuis qu'elle s'est mise dans la tête de m'embêter. Eh bien, elle vous ennuiera plus. Elle est morte. On l'a assassinée hier soir. Ce que vous dites? Je vous dis qu'on l'a tué. Bon Dieu! Qui? Ah, ça, je compte sur vous pour me l'apprendre, figurez-vous. Oh, Jacqueline! Oui, non, je vous en prie, laissez cette bouteille. Jacqueline! Non, pas de sensiblerie, allons. D'ailleurs, le ton n'y est pas. Vous vous détestiez tous les deux. Oui, maintenant, je sais plus. Vous étiez sur le point de divorcer. Oui, on était sur le point. C'est pourtant vrai. Alors? Alors, je sais pas. Non, Jacqueline morte, moi, les choses m'apparaissent plus du tout sous le même angle, je les vois plus de la même façon. Non, vous pouvez pas comprendre, mais moi, je me comprends. Ouais. Vous maintenez que vous étiez ivre? Oui. Donc, pas d'alibi? Ah, c'est malheureux pour vous. Bon. Ouais, vous savez, de toute façon, j'étais un homme fini. Alors un peu plus, un peu moins, un peu plus tard, un peu plus tôt. Oh non, un crime passionnel, ça se défend. Avec un bon avocat, on s'en tire. Mais j'ai pas besoin d'avocat puisque j'ai pas tué Jacqueline. Ah, ça, j'aurais pu le faire. Ça, remarquez ça. Je m'en ai fait trop voir. Mais je l'ai pas tué. Peut-être que j'aurais dû. Est-ce qu'elle avait des ennemis? Comment je pourrais le savoir? Elle me disait rien de ses affaires. Quand nous ouvrions la bouche, c'était pour nous lancer des injures à la tête. Enfin, des ennemis, ça.
Elle devait forcément en avoir. Bon. Eh bien, restons-en là pour aujourd'hui. Mais dans votre propre intérêt, il faudra essayer de vous souvenir. L'ivresse à bandeau. Vous n'avez pas d'alibi, mais un mobile. Vous écoutez? Mais je vous écoute. Mais je pense. Ah, on peut savoir à quoi vous pensez? Ben, je pense que vous perdez votre temps, commissaire. Cherchez ailleurs. Comprenez-moi bien, monsieur Clerval. Et vous aussi, madame. Comprenez-moi bien, je ne prétends pas que Jérôme Lefloche soit un coupable certain, mais je dis que c'est un coupable possible. Si je suis venu vous voir, monsieur Clerval, c'est que je voulais connaître votre opinion sur cet homme dont la personnalité est assez, disons, décevante. Jérôme n'a jamais rien fait de ses 10 doigts. C'est un incapable prétentieux, un phraseur, un type dont l'idée maîtresse a été de se faire entretenir par sa femme. Mais je le crois incapable, par sa veulerie même, d'avoir tué Jacqueline de sang-froid. De sang-froid, d'accord, mais ivre. Non, il s'excitait en parole, mais ça s'arrêtait là, oui. Quant au mobile dont vous me parliez en arrivant, il tombe devant les faits. Jérôme vivait au crochet de Jacqueline, il n'avait donc aucun intérêt à tarir sa source de revenus. D'autre part, j'ai l'impression de me faire son avocat. Non, allez toujours. D'autre part, pour gagner du temps et le faire céder plus vite, j'ai employé tous les moyens, même les pires. Je me suis livré sur lui à une sorte de chantage. Eh oui, commissaire. Ah. Je n'ai pas entré dans les détails, mais c'est ainsi. Jérôme devait toucher un chèque substantiel en échange d'une certaine signature. Jacqueline disparue. La signature est inutile. Et le chèque sans objet. Oui, je comprends. Jacqueline attendait un bébé, commissaire. Inutile de vous le cacher puisque l'autopsie vous l'apprendra. En la perdant, je la perds 2 fois. C'est atroce. Oh non, François, du courage. Je suis là, vous le savez bien. Ouais, je vous ai téléphoné dès que j'ai appris. Un quart d'heure après, vous étiez là, c'est vrai. Je me suis installée chez François, commissaire. J'y resterai aussi longtemps qu'il le faudra. J'ai télégraphié à mon fils, il va venir. François ne doit pas rester seul, surtout maintenant. Oui, bien sûr. Je dois maintenant vous poser à vous deux une question. Une question restée jusqu'ici sans réponse. Madame Lefloche avait-elle des ennemis? Certainement pas, commissaire. Mais certainement pas. Tout le monde l'adorait, à part ce Jérôme, bien entendu, que François défend, je ne sais trop pourquoi. Si Jérôme n'est pas l'assassin, c'est ce qui reste à prouver. Le criminel ne peut être qu'un fou. Un fou. J'ai tout de suite pensé. Mais cette idée-là élargit le champ des investigations au lieu de le restreindre. Le métier de Jacqueline était dangereux. Je ne sais combien de fois je l'ai mise en garde. Un inconnu, la nuit, dans un appartement vide. Malheureusement, j'avais raison. Savoir cet homme en liberté, c'est effrayant. Bon, je ne vous ennuierai plus longtemps. Une dernière question, voulez-vous, pour confirmer ce qui m'a été dit? Oui, je vous écoute. Ces derniers jours, il ne vous a pas semblé que Madame Lefloche avait... une prémonition, un pressentiment? Non, rien. Elle était comme d'habitude, aussi droite, aussi lucide, aussi gaie. Mais hier, comment était-elle? Je n'en sais rien, commissaire, je ne l'ai pas vue. Vous n'avez pas vue? Elle n'a pas essayé, par exemple, de vous joindre au téléphone? Oh, non, commissaire. Ah. Vous ne pourriez pas en jurer. Admettons, c'est une simple hypothèse qu'elle ait essayé, mais que vous soyez sorti. Je ne suis pas sorti de toute la journée, commissaire. Sauf le soir, pour rejoindre François. Depuis, je ne suis pas rentré chez moi. Germaine. Oui, François. Je me demande à quoi rime ce coup de fil du commissaire Lavergne. Il me demande si je me sens mieux et si vous êtes toujours chez moi pour me tenir compagnie. Après quoi, il m'annonce qu'il fait un saut ici, puis il raccroche. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, pourquoi êtes-vous si nerveux? Il fait son métier, voilà tout. Quand il sera sur une nouvelle affaire, il nous laissera tranquille. C'est une question de temps et de patience.
Savez-vous ce que je croirais sage? Dites toujours. Changez d'air. Partez vous reposer quelque temps dans le midi. Seul, vous savez. Toujours cette hantise de la solitude. Mais vous n'êtes pas seul puisque je suis là. Puisque je serai là. Puisque je serai là n'importe où. Et aussi longtemps que vous le voudrez. Voilà notre commissaire. Espérons qu'il ne va pas s'incruster. Entrez, commissaire. Entrez donc. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Clerval. Bonjour, commissaire. Alors, il y a du nouveau ? Oui et non. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a des petites anomalies dans certaines déclarations. Des témoignages qui demandent à être éclaircis. Par exemple ? Eh bien, par exemple, le jour de l'assassinat de madame Lefloche. Vous n'avez pas bougé de chez vous, madame ? C'est exact. Sauf, je vous l'ai dit, pour rejoindre mon beau-frère le soir, quand il m'a appelé. Bien. Et pourquoi n'avez-vous pas ouvert madame Lefloche quand elle a sonné chez vous ? Mais elle n'est pas venue. Je suis mieux placée que vous pour le savoir, il me semble. Alors, expliquez-moi ce que signifie ce mot que j'ai trouvé le soir même dans votre boîte aux lettres du rez-de-chaussée. 4h30. Désespérant de vous joindre, ma chère Germaine, je vous laisse ce billet en espérant que vous l'aurez suffisamment tôt pour venir nous retrouver. Nous vous attendons à dîner, François et moi, sans faute à 8h. Je suis l'adresse d'un restaurant. Voilà. Qu'en pensez-vous ? Ce qu'il faut en penser. Ou Jacqueline s'est trompée d'étage. Où ? Ou je dormais. Ou la radio a couvert le bruit de la sonnerie. Oui, oui, c'est possible. Autre chose, monsieur Clerval. Si vous aviez voulu téléphoner à madame Lefloche le matin de ce jour-là, l'auriez-vous appelé à l'agence ? Non, certainement pas. Jacqueline avait une matinée très chargée. Elle nous avait dit à ma belle-sœur et à moi qu'elle ne serait à l'agence qu'en début d'après-midi. Ah, vous vous en souvenez, madame ? Vaguement. Pour moi, c'était sans intérêt. C'est également mon avis, commissaire. Vous permettez, monsieur ? La cliente a téléphoné d'un hôtel. Pas de chez elle, ni d'un café, ni d'une cabine. Car elle savait que l'agence rappelle toujours son correspondant pour s'assurer qu'il existe réellement à l'adresse donnée. Donc, la personne qui a téléphoné était très au courant des méthodes de l'agence et savait que madame Lefloche serait absente, de sorte qu'elle ne risquait pas d'être reconnue. Mais où voulez-vous en venir, commissaire ? À ceci. Vous n'étiez pas chez vous, madame, mais à l'hôtel d'abord, et n'importe où par la suite. En tout cas, je peux vous dire où vous étiez à 5h. Vous étiez avenue Mozart. Mais enfin, c'est de la folie. J'aurais tué Jacqueline, moi. Enfin, je tenais à elle plus qu'à tout au monde, puisque François l'aimait. Mais c'est vrai, commissaire. Vous faites lamentablement fausse route. Vos déductions ne reposent sur rien. On n'accuse pas sans preuve, enfin. À la description que j'ai faite de vous, madame, le portier de l'hôtel vous a reconnu. Il le confirmera au cours de la confrontation qui aura lieu tout à l'heure. Mais enfin, commissaire, vous savez aussi bien que moi que le meurtre de Jacqueline est l'œuvre d'un fou. D'un fou, oui, ou d'une folle. Non, c'est trop fort, je m'en vais. Restez. Vous vouliez des preuves ? Psychologiquement, j'en ai plus qu'il n'en faut. Si, si, si. L'arrivée de Jacqueline Lefloche dans la vie de votre beau-frère handicapait le présent et ruinait l'avenir. Pourquoi ? Mais rien n'aurait changé. Monsieur Clerval vous aurait encore aidé. C'est à peu près certain, mais l'héritage vous échappait. Nous avons pratiquement le même âge, c'est stupide. Aussi n'est-ce pas à vous que vous avez pensé, mais à votre fils. C'est pour lui, uniquement pour lui, que vous avez tué. Je vous défends de prononcer un tel... C'est pour lui, uniquement pour lui, que vous vouliez vous faire épouser. Et c'est à cause de lui, uniquement à cause de lui, que Jacqueline Lefloche devait être abattue. J'aime mon fils, c'est vrai. Plus que tout. Je ne croyais pas qu'un jour on me le reprocherait. Si. Vous permettez, commissaire. Je vous en prie. Ensuite, j'aurai deux mots à vous dire. Je vous jure que ça ne traînera pas. Oui ? Comment ? Mais... Quand ? Oui, comptez sur moi, ce sera fait. Vous aviez à me parler, monsieur, je vous écoute. Ma pauvre Germaine. C'est la gendarmerie de Valence qui téléphonait. Roger... Oui ? Roger a eu un accident de voiture sur la Nationale 7. Très, oui. Oh, dites-moi tout, je veux savoir. J'ai le droit de savoir. Roger est mort, Germaine.
Il a été tué sur le coup. Oh mon Dieu. Avoir fait ce que j'ai fait. Ça ne sert à rien. Le destin de ces retournements. Vous êtes ignoble. Mon fils est mort. Vous ne comprenez donc pas que mon fils est mort? Ce n'est pas juste. Jacqueline Lefloche aussi est morte. Mais ce n'est pas juste non plus. Allons, vous feriez mieux d'avouer. Libérez-vous au point où vous en êtes. Allons. C'est moi qui l'ai tué, c'est vrai. Germaine, vous n'avez pas pu faire une chose pareille. Mais pourquoi? Pourquoi? Je la détestais autant que j'aimais mon fils. C'est pour lui. Pour personne d'autre. Moi, je ne comptais pas. Oh, et puis à quoi bon? Maintenant, plus rien n'a d'importance. Passez un manteau, madame. Je vous emmène. Voilà, commissaire, je suis prête. Mais avant de partir, François, oh, je vous en prie. On vous a bien dit, n'est-ce pas, qu'il n'avait pas souffert.